serve a term of 2 years on that count as well. Il a perdu connaissance au moment d'entendre sa condamnation. Les images que vous allez voir de cet homme qui s'est évanoui en entendant sa sentence ont fait le tour du monde et ont suscité des réactions très partagées vis-à-vis de l'affaire dans laquelle il était mêlé. On vous raconte, Tony Farmer était très jeune et il était l'étoile montante du basket américain. Tout le monde voyait en lui une future star internationale, mais il avait commis une grave erreur qui gâcherait absolument toute sa vie. I know he was a good person. I hope he still is. I hope he learns from this. He really needs help. Tout ce qu'il avait fait avait été filmé par des caméras de vidéosurveillance. On le voyait frapper très violemment sa petite amie dans leur appartement suite à une altercation. Les preuves contre lui étaient évidentes. Le jeune basketteur ne pouvait pas nier les faits et il n'avait pas d'autre choix que de faire face à la justice. Le procès, qui s'est tenu en 2012, s'annonçait comme n'importe quel autre jugement. Mais lorsqu'il a entendu sa sentence finale, Tony Farmer a vu sa vie défiler. Il s'est totalement décomposé avant de perdre connaissance devant tout le monde. As to count two in that case, felonious assault, a felony of the second degree, it is ordered that the defendant shall serve a term of 2 years in prison on that count. As to count three of that case, the robbery, which is also a felony of the second degree, the court orders that the defendant shall serve a term of 2 years on that count as well. Tony Farmer a été condamné à plusieurs années derrière les barreaux pour avoir agressé et menacé son ex-petite amie. Après sa sortie en 2015, sa carrière n'a pas décollé comme il le voulait en raison de ses déboires judiciaires. Un immense talent qui aura absolument tout gâché. In case 562027, that the defendant shall serve a term of 3 years, which is the minimum, on count one of that. As to count two in that case, felonious assault, a felony of the second degree, it is ordered that the defendant shall serve a term of 2 years in prison on that count. As to count three of that case, the robbery, which is also a felony of the second degree, the court orders that the defendant shall serve a term of 2 years on that count as well.